Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Slime Venture 2. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois on a fait beaucoup de choses comme emprisonner tous ces gros bonhommes roses dans cet enclos. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai placé ces bonhommes là parce qu'ils arrêtaient pas de party, ils sautaient partout, mais là ils peuvent pas s'enfuir et nous avons un problème. Maltino il est là, il a faim. Et attendez, j'ai même vu Martinez aussi. Et attends, Pepito! Yo, il faut que je vise bien, bro. Et ben voilà, mais là il reste une tonne de bonhommes qui... Pourquoi t'as mangé ça, frère? Oh my god, non! Oh, c'est vrai! Ils sont en train de manger les crottes des gros bonhommes. Le labo, vous avez des plantes et des néo-box à dépenser. Si c'est le cas, on vous conseille d'explorer les merveilles de la slimologie. Ah, c'est ici, les amis. Le forgeur. Oh, c'est ça le forgeur? J'ai cherché ça la dernière fois. Alors ça, ça me permet d'améliorer les trucs que j'ai avec moi, mais il me faut... beaucoup de Slime Venture Money et j'en ai zéro. Mais bon, je suis en train d'explorer des lieux que j'ai jamais vus auparavant pour la simple raison que je veux pogner plein de trucs intéressants. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tourelle hydraulique, un canon défensif qui visera automatiquement les goudrons pour les asperger d'eau. Ok. Alright. Yo, j'entends une musique que je n'aime pas. Non! Pourquoi vous faites ça? Je viens tout juste de commencer le jeu. Allez dans l'eau, bande de méchants loups. Et là, non! Tu vas pas manger, Pepito. Maltino, va-t'en! Attends une seconde, ce n'est pas terminé. En fait, là, je suis en train de les jeter vers d'autres victimes. Je suis vraiment désolé. Je ne fais pas exprès. Et là, ça va, petit guidou? Blada! Non! Cependant, ils sont en train de se multiplier. Je crois qu'il est correct. T'es correct, Maltino? Hein? Il est correct. Je suis en train de faire la chasse à... What the? Pourquoi t'as mangé le chicken wing, frérot? Je suis en train de faire de la chasse à la bouffe pour pouvoir nourrir ce bonhomme. Et on va le nourrir! Il faut lui donner une tonne de bouffe. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, là, mais... Attendez une seconde. Wow! Attends! Tu vas exploser, frère? Yeah! Je croyais que j'allais pas l'avoir. Alors, c'était plein de slime qui étaient en train de jouer ensemble. Et puis là... Yo, c'est quoi ça? Oh! Est-ce que c'est moi? Ou bien je suis devenu riche? Yo, je vais vous ramener à la maison. Ne vous en faites pas! Et pendant un instant, j'ai cru que j'avais pas assez de bouffe pour faire quoi que ce soit. Et... Yo, c'est pas là que je voulais me diriger. Attendez une seconde. Wouhou! C'est juste là, je sais... Oh, attendez. Yo, je suis vraiment désolé, là, les boys. J'ai dit que j'allais vous ramener à la maison. Mais c'est lui que je vais ramener à la maison. Il s'appelle Coco. Se pavane comme s'il était le roi du poulailler. Tout ce que je peux dire, c'est que t'as beaucoup de viande. Alors, ouais, je vais bien te manger. Donc, j'ai activé ceci. Oh! Je peux enfin explorer des nouveaux endroits juste là. À moins qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux endroits. Ok, yo, j'ai un petit peu peur pour être honnête avec vous. Est-ce que je rentre là-dedans? Vous le savez déjà, qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Let's go! Où est-ce que... What? La vallée ardente. Je suis dans un endroit bizarre et... Oh, j'ai sauté de la map. J'étais ici au début et maintenant, je suis là. Ah, j'ai compris. Oh, poule rocailleuse. Ça, c'est nouveau. Donc, capable de jeter la pierre à ceux qui ne croient pas en ces trucs de poulet. What? J'ai pas compris ce que tu veux faire là, mais bon. Donc... Ah! Oh, j'ai libéré... libéré. J'ai révélé la map et puis là, eux, ils sont en train de foutre le caca de cheval partout. Moi, là, je suis pas là pour régler vos problèmes. Genre, vous avez quelque chose, je suis méga ultra perdu. Oh! Attends! Une capsule Z! Dragon Ball Z! Le seul et le vaillant. Donc, j'ai une station médicinale. Vide rapidement votre énergie pour assurer votre vie. Vous guérit en un rien de temps. Ok, alright. Je voudrais bien révéler l'endroit que j'ai révélé tout à l'heure, mais nous avons quand même un gros problème. J'ai pas beaucoup d'argent avec moi, j'ai besoin d'amélioration et tout. Alors, mangez les amis! Donnez-moi beaucoup de bouffe! Let's go! Mais quand je dis bouffe, je parle plutôt de ces petites affaires-là. Et je les ai libérées. Quelle mission faire, bro? Hey, vous savez quoi? Je vais mettre toutes mes petites poules ici. Il me semble que ces bonhommes peuvent se reproduire ou quelque chose, non? Il me semble que je peux faire de quoi? Attendez, si je leur donne de la viande, ils vont se reproduire. Mais attendez, j'ai pas de viande. C'est où que je peux trouver de la viande? Attendez une seconde, pourquoi il y a un bonhomme qui vole comme ça? Retourne à la maison, mon frère. Alors, donnez-moi une seconde. Il faut que j'aille faire le ménage! J'arrive pas à le faire! Les amis, j'ai besoin de faire ça comme ça, comme ça. Vous vivez bien, c'est pas pour faire de l'argent. Non, 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 c'est pour que vous vivez bien. Puis, je suis entouré de bonhommes comme ça. Si c'était de la vraie vie, je serais au paradis. J'ai beaucoup d'argent ici. Regardez ça! 470?
Ben, c'est pas beaucoup, ça. Quand j'y pense, ces bonhommes mangent pas de la viande. Ce sont de la viande. Ma bad, yo. Eux, là, c'est écrit alimentation, légumes, fruits et viande. Ici, c'est écrit type d'aliment. C'est eux qui vont se faire manger. Je le savais déjà, mais je pensais que ces bonhommes pouvaient manger de la viande pour quelque raison. Mais bon, je vais me faire un peu de cash parce que j'ai travaillé un petit peu. Vous savez, je suis allé dans la nature, voler des petites culottes, passer par là, des petits slimes. Et c'est génial, n'est-ce pas? J'ai travaillé super fort et maintenant, je devrais avoir beaucoup de cash. Regardez ça. En tout, j'en ai 859. Ouais, je pourrais améliorer l'enclos qui est là parce que comme ça, ça va ramasser les crottes automatiquement. Vous allez voir. Donc, si je vais dans la section collecteur de plantes, ça coûte 500. Alors là, à partir de maintenant, j'ai pas besoin de rentrer là-dedans et collecter le tout moi-même. Respirez-moi cet air frais. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est pas le meilleur moment pour aller chercher des nouveaux trucs, des nouveaux slimes qui se retrouvent ici? Eh bien, moi, je crois que c'est le meilleur moment. Bon, maintenant... Regardez ça, je viens tout juste d'arriver et puis je vois des bonhommes que j'ai jamais vus auparavant. Des slimes phosphorescents. En fait, quand on les a déjà vus, je me suis promené pendant un bon bout de temps, j'ai pas trouvé de nouveaux slimes malheureusement. Donc, accès au journal GG. Ouais, je vais pas lire ça, no way man bro. Donc, où sont les nouveaux slimes? Il faut que je les ramène à la maison, non seulement pour les cultiver, si je peux dire ça comme ça, mais aussi pour pouvoir jouer avec eux. Alright! Oh, regardez ça, il est tellement cute, il est en train de jouer avec ses meilleurs amis du monde entier. Mais gros problème, je dois te ramener à la maison. Slime rocheux, ces slimes ne restent pas de pierre. Alright, je vais en ramener le plus possible comme ça. On va faire une grosse ferme de slime de quoi? De slime rocheux. Et on va les combiner avec des slimes chers, comme ça on a beaucoup de cash. Qu'est-ce que vous faites, bande d'égoïstes? Vous voulez pas manger ça, donner ça aux autres slimes? Voyons donc! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Yo, je croyais que vous étiez en train de faire une fusion, guys! Oh my god! L'argot baudroie rose! Oh non, 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 non! Attendez une seconde, il faut que je ramène quelques bonhommes. Chicken wings, bye bye! Yo, j'ai quelque chose de plus important à faire. Prendre une slime baudroie et... Attends, c'est écrit. Oh, une petite boule de lumière, j'ai envie de la voir de plus près. Est-ce que ces bonhommes vont mourir au soleil? Y a pas vraiment de soleil ici, alors je ne sais pas, les amis. Les amis, nous avons comme un gros problème. J'ai vu que ce bonhomme est étourdi et j'ai vu d'autres bonhommes qui étaient fâchés pour quelque raison. Mais qu'est-ce qui se passe? I don't know. Peut-être c'est à cause des slimes boudrois de je sais pas quoi. Je peux pas prendre ça, malheureusement. J'ai pas de jetpack pour aller là-bas. Il y a tellement d'endroits que je ne peux pas explorer juste parce que j'ai pas de jetpack. Et je crois que je devrais le débloquer le plus tôt possible. Vous ne croyez pas? Je suis de retour à la maison parce que j'ai trop de trucs dans mon sac à dos. Alors là, donnez-moi une seconde. Je dois voir qui donne le plus de cash et c'est eux que je vais mettre en priorité pour les nourrir. Je sais même plus parler. Donc, j'ai des slimes roses lapinés. Nos discrets, ce qui veut dire que je prends une neuf. What? J'ai shooté quelque chose. Il est parti où le slime? Ah, ben t'es là, mon frère. Voyons donc. Viens ici, Pépito. Donc, c'est ça. Je prends une 9 et 14 pour les slimes qui sont là-bas. Mais, regardez ça. Les slimes rochers 46. Waouh, les prix ont augmenté. Regardez ces flèches vertes. Et là, 33 aussi. Waouh. Ok, je sais ce que je vais faire. Et ben, je dois faire une fusion des petits slimes qui sont là et des petits slimes qui sont là. Eux, ils mangent des légumes. Attends, légumes, viande. Si je les fusionne, est-ce qu'ils vont manger les deux? Alors donne-moi une petite seconde, toi tu vas manger ça? Ok, ça t'a pris du temps, bro. Donc, vous savez quoi, je vais tous les sortir et puis... Ils ont fait leur fou furieux, mais surtout lui là. Alors là, toi tu vas manger ça! Oh, regardez ça, il est tellement cute! Mais si on fait le contraire, est-ce qu'on pogne d'autres slimes différents? Je n'ai vraiment pas le choix, les amis, je dois acheter un autre enclos juste là, comme ça. Et là, je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais mettre ces... Waouh, c'est bonhomme qui veulent me manger. Ben, me détruire, me voulais-tu? Je vais les mettre là-dedans et je vais espérer que ces bonhommes ne sautent pas super haut. Comme ça, je peux les nourrir et voler leur crotte. Alors, ce que je vais faire, c'est faire ça comme ça et ensuite ça comme ça. Je vais nourrir ces petits bonhommes. Attends, lui là. Mange! That's it! Voilà, perfecto. Oh, t'as tapé ce slime? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, voyons donc? Alright! That's it! C'est super bon de pépi. Ok, yo, est-ce que tu t'appelles Krillin parce que t'as utilisé son attaque? Attendez une seconde! Oh! Pourquoi t'es là, toi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez! Non, oh non, ils ont peur! Ils ont peur! Non! Reste à la maison, Pepito! Comment ça, ils sont venus ici? Ne me dites pas que ce bonhomme... Oh, je sais ce qui s'est passé. L'un de ces bonhommes a absorbé une clotte de ces bonhommes. Et là, ils se sont transformés. Et c'est comme ça que le chaos se passe. Alors, j'ai nourri tous les bonhommes qui sont là. Et puis, je veux voir si le ramasse-plotre marche super bien. Parce que là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de bien marcher. Il est supposé être là, non, le ramasse-plotre? Regardez ça. Collecteur de plantes, pardon. Alors,
Ah, attendez. Ah, je l'ai pas activé. Ok, ma bad. Ok. Ah, ok, ça va super bien. Et là, je fais ça comme ça. Bon, ben, c'est comme ça que je vais faire du cash. Yo, les amis! Oh mon dieu, j'espère que t'as pas mangé un petit bébé. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Je suis vraiment désolé, guys. Pussy doux, rocailleux. Hey, ok, alright, toi tu vas rester là. Je suis vraiment désolé, j'espère qu'il n'a pas mangé le bébé. Première chose à faire, comme vous l'avez vu, mettre un filet aérien. Comme ça, personne peut niaiser là-dedans, man. Alright, ici, je dois monter les murs parce que c'est pas assez haut. Et là, j'ai envie de mettre un filet aérien. Mais bon, je ne peux pas encore. J'ai fait le ménage de cet endroit et je tiens à vous dire que j'ai ramené beaucoup de slime lapino rose ici. Mais il y en a beaucoup que j'ai jeté à la poubelle. De cette façon, je suis vraiment désolé, je n'ai pas les ressources pour vous nourrir, pour vous garder en vie. Alors, bonne nuit, frérot! J'espère que tu vas t'amuser dans la mer avec les autres. Je suis de retour dans cet endroit magnifique et... Oh, pauvre lui, il a faim! Il a pas le choix que de manger les restes des autres! Oh, attends, je peux pas le laisser comme ça, il faut que je le nourrisse, ça me fait tellement mal au cœur! Mais ouais, je suis de retour ici pour explorer les environs, voir ce que je peux retrouver. Et là, pour l'instant, je trouve juste des chickens par-ci par-là. Moi, je veux des nouveaux slimes! Oh my god, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de chandelles partout? Oh, wow, ce sont pas des chandelles en fin de compte, ma bad. On dirait que c'était des chandelles de loin. Mais non, ce sont des minerais. Alors là, je vais absorber le plus de nouveaux bonhommes possible, les ramener à la maison, les nourrir, faire beaucoup de cash. Et ils arrêtent pas de faire de sur leur flair à longueur de journée. De retour au bercail. Ah, ça fait du bien. Alors ce que je vais faire là, c'est reproduire ces bonhommes pour qu'ils deviennent tous identiques et avoir beaucoup de trucs là. Attendez une seconde, c'est lui que je dois nourrir. Voilà, perfecto. Et là après... Wow, il a mangé, il a tellement pété que ça... Bon, whatever. Anyway, ce que je vais faire, c'est donner ça à ce bonhomme. Faire la même chose partout, ça va être tigidou. Oh, I'm so rich, guys! Wouhouhou! 685, nice. Alors là, je peux mettre un filet. Et c'est ça, 100% que ces mecs-là, là, ils vont jamais s'enfuir de là. Regardez ça. Et il y a un intrus. Yo, je sais pas pourquoi tu veux faire le party là-dedans, mais je trouve que c'est une mauvaise idée. Je vais te sauver, mon frère. Va là-bas. Et là, je ramène plus de chicken ici. Je me rappelle, au début, j'avais juste quelques chickens et là, j'en ai une tonne, man! Waouh! Ça, c'est magique! Je les nourris, je fais le ménage, je reçois beaucoup de crottes et de cette façon, je peux faire du cash. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que j'en ai assez pour me donner des améliorations? J'ai envie d'avoir plus de place dans mon inventaire, un jetpack, des trucs comme ça. Donc, j'ai assez de cash, mais il me faut des plortes quand même! Oh, d'accord. Donc, je vais voir ce que je veux et je vais aller chercher les ressources. L'amélioration que je désire avoir nécessite des plortes tigrées. Et j'ai besoin de lui parce que, vous voyez, il est tigré. Alors là, j'en ai 10. Avec ça, je devrais réussir mon coup. Et ensuite, ce qu'il faut faire, si je m'en rappelle bien... Ouh, gros chicken juste là. C'est faire ça comme ça. Voilà, parce que ça va aller dans le labo. Alors, j'en ai 10 juste là. Ça devrait marcher. Mais là, je me retrouve dans une caverne que j'ai jamais vue auparavant. Et... Oh, j'ai obtenu quelque chose que je ne sais pas ce que je peux faire avec. Donc, plus d'alimentation à mettre dans le forgeur pour améliorer le noyau d'énergie de l'Aspi Pack. Non. Plus tard, peut-être. Yo, je viens de revenir à la maison et ces bonhommes, ils sont en train de faire le party à longueur de journée. Ça s'arrête jamais, man. Et attends, il y a un petit morceau, là. Il a essayé de s'enfuir. Non, non, non. Moi, j'ai besoin de cash, bro. Donc, si je vais ici, en bas, là, je devrais avoir assez de trucs pour faire tout ce que je veux. Bon, en fait, un truc. Parce que là, je peux pas faire tout ce que je veux. Moi, je veux toutes ces améliorations. Mais bon, c'est ça. Amplification... Amplificateur de réservoir. Un autre réservoir portable amélioré qui permet à votre réservoir de contenir 30 unités de ce que vous aspirez. Voilà! Donc, si je peux en avoir plus de trucs, c'est meilleur, n'est-ce pas? Mais en vrai, je peux l'améliorer deux fois encore. Mais on dirait que ça marche pas pour quelque raison. Mais bon, whatever. Est-ce que c'est bon ou bien cet enclos est rempli de bonhommes pour vrai? Wouh, wouh, wouh! Moi, je ne dis pas non. Mangez, les amis, amusez-vous. Oh my god, yo, ces bonhommes-là, ils arrêtent pas de sauter comme des fous. C'est pour ça qu'ils arrivent à sortir de l'enclos. Mais moi, je veux pas qu'ils sortent de l'enclos. Moi, je veux qu'ils restent là-dedans, voyons donc. Mangez, donnez-moi de la bonne bouffe. Je veux dire, des bons, vous savez, excréments et tout. Et je vais activer ceci pour les absorber. Oh, ouais. Attends, c'est pas assez. Active. Active. Peut-être c'est à cause de ce bonhomme là, il est en train de tout bloquer. Là, maudit. Mais ouais, ce que je devrais faire, c'est jouer hors vidéo et obtenir une tonne de plortes par-ci par-là. Comme ça, je peux me faire du cash, je peux améliorer mes équipements, si ça. Parce que, ouais, ça fait un petit peu long pour être honnête avec vous. Et puis, j'ai encore 600 trucs.
qu'est-ce que je peux faire? Ajouter de la musique? Ils sont déjà en train de party comme des fous. Collecteur de plantes, ça j'en aurai besoin dans le futur. J'ai besoin de cash à longueur de journée. J'en ai juste pas assez, man. Mais bon les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a exploré un nouvel endroit. On a poigné deux nouveaux slimes là. Les bonhommes rocheux et les bonhommes lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je les ai fusionnés et puis là, ils font la cata dans l'enclos. Mais bon, ce n'est pas grave. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suivre sur les réseaux sociaux. Blabla. Qui est venu macho pour de ce polto amigo et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!